Et yo tout le monde, c'est Tiab, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. J'ai juste eu un petit souci d'enregistrement, mais alors vraiment rien, c'est vraiment genre 30 secondes. J'ai juste coupé l'armée qui était là, Arverne, qui est tombée. C'était juste pour régler le son, hein. Voilà, vous avez rien loupé, vous n'avez rien loupé plutôt. Bon, pas grand chose, on va dire. D'ailleurs, il n'y avait pas. Il n'y avait pas des arvernes dans le coin là qui se baladaient là. Non. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait des arvernes parce qu'on les a pas. Non, on les a pas exterminés encore. Zut alors. C'est pas bien grave. Ah oui. Ah oui, c'est vrai aussi que j'ai. La sécession que j'avais totalement zappé. On va aller s'en occuper. Normalement. Ah, j'avais fait un siège. Il y a un siège qui est en cours. Si je me trompe pas, il y a quelque chose comme ça. Là. Ouais, ça, Ebora, il y a le siège qui est en cours. On perd des unités. Moi aussi, mais ça va. On va aller sur Olisipo. Donc ça classe 6. Hop, il n'y en aura plus. Ah, il a eu le temps de mettre un agent, un vétéran. Faudrait pas qu'il gagne des niveaux, faudrait pas qu'il m'embête trop lui. Et j'occupe en espérant qu'il n'ait pas trop changé la ville. C'est bon. Ça a l'air d'être bon. Hop, loyaux défenseur, non. Cardin de la paix, c'est bien. Ouais, non, c'est que contre les unités de raid, les armées de raid. Intéressant. Allez, voyons défenseur. Toutes mes troupes sont améliorées. Même mes flottes. C'est dire. Ah oui, c'est ça, et j'ai pas assez de. C'est game ballot. J'ai pas assez de. De place. Comment ça s'appelle ? Imperium. Pour lever une nouvelle armée, un truc comme ça. Ah, c'est ça, Imperium. Ah, je l'ai pas vu ça. Les armes de la Légion. Ah, ça c'est pas mal. Ça déverrouille de recrutement comme il faut. D'ailleurs, c'est bizarre, je peux faire des... J'ai déjà pu faire des gardes prétoriens. C'est la meilleure unité. Alors que j'ai pas. Ouf. Faut pas chercher à comprendre des fois. On va voir, oui, je l'avais oublié là. Avec les Narviens, il y a les Pictons, ils sont vraiment un peu partout là. On reprend la route. On va s'approcher de Uburzis. Au service de Rome, je ne connais pas la fin. Voilà. Comment puis-je vous servir ? Les Nomnettes qui font leur petite vie dans leur coin. Bon, ils sont pas trop contents que je tape sur leur copain, mais. Ah, ok, d'accord, ils sont là-bas. Ils sont là-bas les Arvernes. On ira les chercher. On ira les chercher. Non. Il s'entend encore moins bien avec ses voisins que moi lui. Et pourtant j'ai du mal avec les miens. Et jette. Ah. Voyons. Si je regarde, il s'est foutu où lui? Il n'est pas bougé. Il est loin là. Allez chercher hein. Au moment, on n'avait pas trop le choix. Il y a eu un petit bug, oh, voilà, la portée de déplacement elle était pas terrible. Ferrata. Maligio, Ferrata, allez. Chien. La vache. Je prends vraiment tant que ça au niveau des pertes.
2 unités de cavalerie. Il y a quelques bretteurs d'élite, quelques nobles lanciers. D'ailleurs, le Soki extraordinaire, il est pas très très fort non plus. Je vais le résoudre en auto. Je vais prendre les bonhommes. En déplacement. Hop. Et lui, je peux pas. Quoi? Alors. Prendre le chemin ou pas prendre le chemin? Prendre la route. Il est pile sur l'emplacement que je devrais avoir. On va le faire avancer un peu. Voilà. Et on va y aller en embuscade. Et on va le faire un petit peu régénérer. Est-ce qu'il a pris tarif mine de rien le pauvre? Ce sera agraire donc. Ah non, même pas, ce sera pas agraire. Avec Namnetum et Cenabum. Ce sera pas du tout agraire. Alors oui, on va les Pictons. Oui. Je suis le champion de Rome. Pourquoi t'es là tout seul toi? T'es un bon entraîneur et... On entraîne la garde prétorienne. Je sais pas, j'ai foutu. Là je dois avouer que... Je vérifie mes agents. Ah, d'ailleurs. Ah non, c'est bon. Donc. Oh, je sais pas ce que j'ai foutu. Là je ne saurais pas dire ce que j'ai foutu. Voilà ici. Ah, là pareil. Ok. Combien de tours avant la reddition? Beaucoup. Là il y a une garnison mais... Je vais attendre un tour. Histoire qu'elle soit un peu plus grande et pas... avoir de problèmes à cause de cette flotte. C'est vrai que les Séleucides, je crois qu'ils sont pas mal étendus, non? Ils ont pas pris l'Egypte? Un délire du genre. Alors que vont faire nos amis les Pictons? Vraiment, ils font des choses, je saurais pas dire quoi, mais ils en ont fait. Ok. Ah, oui, bon. Allez hop. Ils sont les monomes. On y prend sa petite capitale. Nous permet de débloquer la province entière de l'Aquitania. Et en plus de débloquer un village qui produit des armes. Ça, ça. Ça, ça. Voilà. Là, on débloque un peu la carte. Ok, il bouge d'endroit. Ouais, c'est parce qu'il est pas bien en nourriture. Quand même aller à Massilia au cas où. Il va se faire bouffer hein, de toute façon il... Hélas pour lui, il a pas grand chose à... Il n'y a pas beaucoup de choix. Faire de nourriture et tout là. Hélas pour lui, non d'ailleurs. Tant mieux pour moi. Bibrak, je vais garder un petit peu là au cas où. Parce que ça fait un peu un point central. Je peux pas laisser se barrer comme ça. Alors, Maligio 4, tu vas aller aider. Ah, ça ne va pas poser de problème maintenant. D'ailleurs, je sais même pas où est-ce qu'elle est leur flotte.
Où est-ce qu'elle s'est barrée? En avance. Je pense que là, le tour prochain, je prends les troupes de l'Hémonome pour aller à Cenobum. J'avance en ligne de front assez propre. Ah, j'ai oublié ça. Les arvernes, ils sont où? C'est pas les arvernes, ça. Ah si, il y a des arvernes ici. Ils étaient planqués. La vraie question, c'est... pardon, la vraie question, je disais, c'est va-t-on réussir à les rattraper? Qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils ont recruté du mercenaire. Bah écoute, ils ont déjà pas de... ils ont pas de bouffe. Maintenant, ils vont plus avoir de thunes. C'est un problème. En plus, je le résous défensivement, donc... il va garder quelques troupes, son général entre autres, etc. C'est juste parfait. Encore un triomphe. Trop facile. Je sais pas pourquoi par contre cette fois. Un Adabibrak, un autre Adabibrak, un autre. Ah. Vipsaniavala. Un autre gamin, ça c'est cool. Ouais, par contre les Namnet, tu t'y mets aussi, ça va pas. Ok. Attends, même les Dunoni. Ah oui, voilà, il a un ennemi, et plutôt qu'aller sur son ennemi, il va sur moi. Avec qui on est neutre, oh, c'est... chercher trop loin des fois. Hop. Voilà, on va aller chercher les Arvernes, on va aller en direction d'Amnetum. Là normalement avec ça doit plus y avoir d'arverne. Que tu vois le cos. Ouais. Une chose de fait est qu'elle est bonne, des arvernes en moins. Hop là. Ah bon, je vais m'avancer tranquillement. En embuscade, ça c'est triste, je suis trop proche. Non. Tout de suite. Au travail, les gars. Allez, vas-y. Ah, c'est moche, hein. Prêt pour vos ordres. Là, non, là, je suppose que. Il se rapproche de là-bas. Bon, on va retourner à Gênes. Ah, ça c'est bien. Pour développer nos ports, enfin. Une piscine, petite mine, faire de l'ordre public aussi. Là, un tour, hein. Ça va vite se faire. Ah. Ouais. Oups, c'est pas mal. Cette amélioration, elle est bien. Ce serait une espionne basée sur l'assassinat. Toujours pas. Voilà, ils ont décidé de sortir. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent contre la garde prétorienne? Là, honnêtement, corde d'évocati, garde prétorienne, ce qui est extraordinaire, ce qui coûtait extraordinaire. Cavalier auxiliaire, enfin non, oui. Mode équilibré, pas besoin de faire de la perte. En tous les cas, il pourra pas se barrer, on prend la cité. Et c'en est fini des séparatistes. Plus de pertes que ça, pas plus d'expérience que ça non plus. La ville est riche, mais bon.
C'est la mienne, on va pas la piller, faut pas déconner quand même. Une pictonne, bah IRC, hein. Un tour près, hein. Un défensif. Encore une fois, il garde son général. Il peut pas relever une nouvelle armée facilement. Sabotage, ok, bibrac. Séparatiste du Sénat, vétéran. Un petit tour ici. Ok, Legans Fabia. Ok. Tiens d'ailleurs. Profitons-en pour faire un petit tour, ça fait un moment. Est-ce qu'il y a des promotions à faire? Oui, une déjà là. Une deuxième. Ah très bien. Une troisième. Oh la vache, une quatrième. Propre. Puis des gosses, hein. Oui, pas besoin. Ah, c'est bien ça, ça c'est un bon tour. Ah yes. On peut les améliorer. Je vais les envoyer en marche forcée à. À Massilia. Et une autre à Tolosa. Voilà, j'ai plus de soucis à me faire dans le coin. Autant les emmener là où on peut possiblement avoir des soucis. Voyons voir si on regarde dans l'affiliation. Voilà, Fabia, Tarraconensis. La Lusitania, la Tarraconensis et la Corsicaire Sardaigne. Qui peuvent toujours poser problème, on verra, pour l'instant on est, en soi on n'a pas plus de soucis que ça, donc on va les laisser aller autre part nos troupes. Bon, voilà tu t'es barré, tu as eu raison, tu ne le sais pas mais tu as eu raison. Ah oui ce sont des améliorations pour les armes, vu que j'ai pris des mozos. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas la technologie nécessaire pour améliorer la ville au rang 3. C'est pas bien grave. J'ai encore une armée aussi vieille que ça avec des leves moi. Tu me diras, j'ai encore des. Ah ouais, va falloir que j'améliore tout ça. Hein. Plus avec les revenus là pour l'instant ça va, moi tu me diras, ça coûte cher quand même. C'est quoi d'ailleurs, je vais en améliorer une. J'ai vu qu'il y en avait une qui servait moyennement, je sais plus où elle est. C'est elle. Ouais mais elle est bien entraînée. Non, on va pas le faire. Ceux-là ils sont bien entraînés aussi. Il y a eux. Ouais, oh c'est mon empereur. Oh merde. Oula mon empereur, ça fait des années qu'il est dans le sable lui, il a jamais rien réclamé. Bon, on va dissoudre. Et je relèverai des troupes à Rome. J'ai pas fait le tour des propriétés ici, non, non, oula non. Bien. Ça manque un peu d'action quand même. Heureusement à l'est ça grandit et on aura peut-être une faction imposante qui nous donnera du fil à retordre. Alors t'es où, toi tu dois du coup établir l'héritage, hop. Prenons les gars. Légionnaire en armure, c'est quoi le délire de légionnaire en armure?
Ce serait quand même pas plus fort que des cohortes des gardes prétoriennes. Hein. Pas déconner. De la cavalerie prétorienne. Eh, mais pourtant, je croyais en avoir vu de la cavalerie prétorienne sur les séparatistes du Sénat. J'ai peut-être pas fait attention. On a tour 11. Je peux recruter 11 unités en un tour. Ok, c'est énorme, 11 unités. Ah, l'Aquitaine qui va me rapporter des sous. Ah, 7000. L'Aquitaine qui va me faire dépenser des sous avant tout. Eh ben, mes ordres, c'est ça, parce que t'es venu foutre tes agents, toi, chez moi. Et j'ai pas aimé la blague. Vraiment, j'ai vraiment pas aimé du tout la blague. Nous formons un blocus. Fais ton blocus sur un squelette. Oh putain, il y a des troupes. J'ai l'air de donner un coup de main quand même. Ah, c'est... Ah, c'est ballot, ça. À dérober, avant. Si tu le dis. On s'en pille un peu là par contre, c'est pas très agréable de se faire piller. Ça on s'en fiche pas lui, ouais il pille mes territoires, bon ça c'est pas... Ah bon on s'en fout, de toute façon j'ai des troupes qui arrivent du... d'Ibérie. Une question de temps, chef. Oui. Bon. Ah oui, chance de succès, ça doit être pour ça que je fais. On pourra juste accélérer ça. Eh ouais, ils ont parcours du chemin quand même. Hein. Ils sont motivés les mecs. Hein. Vache. Vache. Toutes les routes mènent à Rome. Et toutes les routes sont quand même bien foutues. Hein. Ça je veux bien. J'ai aucun problème, un accord commercial, ça me pose zéro problème, au contraire. Des thunes. Ouais. Ouais, bah oui, ouais, c'est ça, victoire héroïque. Hop, on réduit en esclavage, c'est très bien. Il va réessayer. Il réessaye. Bon, là, il y a une flotte quand même. Là, il va falloir se méfier. Je sais pas si c'est la flotte qui attaque la première. Non. Ok, on va la jouer manuellement alors. Ouais. On va la jouer manuellement. Oui, c'est bien du transport ça. Moi, j'ai vérifié que c'était bien une. Flotte de transport celle-là. Par contre il y a les fléaux de la mer. Va pas falloir traîner quand ils vont arriver eux. Parce qu'ils sont un peu plus costauds que leurs copains en radeau. Alors toi, putain. Artillerie en attente d'ordre. Bien. Normalement les renforts. Elle ou la ville. Elle est où la ville? Non, il n'y avait pas de ville. Si, il y en a une, mais je sais pas où. Elle est là-bas. Puis avec le brouillard, j'y vois rien. J'espère qu'ils vont pas arriver de côté, par contre, ça m'arrangerait pas du tout. Mais alors, pas du tout. Brave Romain, sans exception. Hop, l'amiral, on laisse un peu derrière. Je préfère. Je vois que dalle. Je vous jure, j'y vois rien. Entre un reflet là dans mon écran et le brouillard, c'est. Oh putain, ils arrivent pas derrière. Oh, alors là, c'est dégueulasse par contre. Hein. Ouais, allez, putain.
Ouais, les gars, c'est clair, on bouge, c'est tout le monde devant, je veux pas savoir. C'est tout le monde par là. Je veux tout le monde en formation double ligne. Vous allez avancer comme ça, vous allez me détruire tous les bateaux et on va fuir ensuite. En espérant ne pas se faire rattraper. Si je dois aller jouer manuellement pour accélérer un peu le truc, je vais pas me faire prier. Un de moins. Un peu dedans, on va essayer de tirer dans le tas un peu, mais vite fait avant qu'ils nous rattrapent. Ouais, ils sont déjà pas loin. D'ailleurs, je vais changer. Je vais aller là-bas. Il y a des renforts là-bas? Et il y a des renforts là? Mais non, c'est que 4! Oh bah c'est bon, j'ai rien dit les mecs, ils sont que 4. Je suis flippé moi pendant un moment là. Oh les mecs. Annulation des ordres. Ils sont mis en abordage, je crois que j'ai mis en abordage. Terrible, terrible, c'est ma faute, c'est entièrement ma faute. C'est entièrement ma faute ça. Attention. Réussir à tirer, mais voilà, à partir dans le tas, ils font rien quoi. Pas terrible, et puis y en a déjà qui arrivent là. Non, c'est pas bon. Je vais sonner la retraite là-bas. Là-bas, là. Non, pas ça que je veux. Oh putain, ils sont toujours en. Ils sont restés en abordage encore. Ah, c'est terrible ça. Bah oui, tu m'étonnes. Ouais. Là, vous fuyez, vous débarrasse-toi de. Ah, c'est pas vrai, sérieusement. Ils sont rapides là, les. Allez, tout le monde en repli là, je veux pas savoir. Aussi, replie-toi. J'avais oublié l'amiral. Allez, je vais avoir de la perte. Lui, il va se faire intercepter. Il était bon, c'est dommage. Ah, je me suis laissé avoir. Je pensais que c'était. C'était la flotte, pas du tout. Du tout. En fait, il y en avait que 4. Bon, au moins il y aura eu beaucoup plus de pertes que moi, j'aurais perdu un navire. Et déjà, ça m'embête déjà, voire deux. Un ou deux. Un sur. Non, quoique. Quoique, quoique.
On va voir. Ouais, y a vraiment pas grand monde ici. Oh, j'en perds deux. Retraite! Ça, c'est moche, retraite. Oh non, mais il va pas on là. S'arrête pour l'instant. Protection, ça passe toujours. Notre voyage prend fin. Je sais pas ce qu'il est venu foutre là. Il peut se barrer en... au sud, mais il va se barrer dans un fleuve. Bon, normalement j'ai... Ah non, j'ai même pas fait le bon là. On va faire ça. Produit un peu moins de richesse industrielle, mais... pour réparer mes bateaux grâce à ça. Bon, allons. Allons chercher ces saloperies. Voilà, résolution agressif. S'ils arrivent à fuir en agressif, quoi. Dommage. Dommage pour moi. Toi. Oh, pareil. Lui il se barrera pas. Tant mieux. Des esclaves. Un blocus le tour prochain. Moi qui arrive à pied. En cercle. Là je peux pas faire mon blocus. Il manque vraiment pas grand chose, mais il manque. Dommage. Ok. Lui, il arrive à Massilia, c'est impeccable. Il arrive à Tolosa. On envoie un à l'hémodum. On va recruter à Rome. Oh, ça me tente, je t'avoue. Je sais pas où. Je vais vous dire que là, clairement, ça m'a bien tenté. Là, l'armée que de gardes prétoriens. Ça va casser des. Hein, je veux pas de dessin. Améliorer tout ça. Parfait. On va voir comment ils vont réagir, les Namnetum. Les Namnet plutôt. Les Namnetum. C'est un homme qui est parti trop. Qui est parti un peu. Un peu plus loin là. Fallait y réfléchir avant. Mais non. Vraiment tuer un agent. Et là je suis donné perdant. Pour quelques guerriers fidèles. Que Bretter d'élite. Même pas peur. Bah vous savez quoi, ce sera la bataille pour le prochain épisode. Moi je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Pour la bataille de Namnetum. C'était Job. Ciao.